Je vais donc tirer d'une main totalement innocente, hein, car je suis un jeune innocent. En tout cas, j'aime à croire que je le suis resté encore un peu. C'est parti! Je vous jure que je ne triche pas. Hein. Je vous jure que je ne triche pas. C'est encore Thibaut, hein, mesdames et messieurs. Hein. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas... Le destin, hein, je vous jure. Mais oui. C'est pas possible. Hein. La caméra, elle est là. Regardez. Il y a une caméra ici, regardez. Je ne triche pas. Il n'y a pas de... C'est le destin. C'est mon perso, t'entends? C'est moi qui commande, c'est mon perso. Le destin, il l'a dit. Après, on me demande pourquoi tu joues les Indiens dans tous les jeux. Thibaut, encore, je te jure que non. Le destin a parlé. Mais je n'y suis pour rien. Regarde. Mais je vais la retirer, Sinon, le destin va encore parler une troisième fois. C'est T-Hawk, c'est T-Hawk, il n'y a pas d'embrouille, c'est T-Hawk, hein, c'est T-Hawk, vous me faites tirer. Putain, je suis dégoûté, ça aurait été moi qui aurais fait le tournoi, j'aurais tiré T-Hawk à chaque fois. Ils auraient tous baisé. Dégoûté. Ben, c'est reparti, mes amis, hein. Skill en DLC face à Eldruz. Alors, okay, je ne sais pas qui est qui, hein. Parce qu'à ce stade-là, il me semble quand même que Eldruz continue de jouer avec Ultiok et que Skill en DLC eh bien joue le contraire. Alors là, c'est pas du tout ça, il me semble. Hein. C'est Valcorp qui a gagné le dernier match. Il faut tout miroirer. Comment ça, Eldruz ne joue pas? Pourquoi? Il a gagné. Bah oui, mais il a gagné, Eldruz. Bah oui, il a gagné, je suis trop con. Oh là là. Mais aidez-moi, vous aussi, là, on est tous fatigués. Vous êtes dans les transats, vous rigolez. C'est la fatigue. Oui, c'est ça. Balcor, est-ce qu'il en DLC? Oh, ça, c'est bon. Il y a un petit trop derrière. Voilà, pour éviter le petit trop, alors ça, c'est intéressant. Mettre Balcor, c'est son arrière. Ah, il est bien, ce gros pied. Il est très, très bien. Balcor, il veut revenir. Bah, lui, il est chauffé avec Kyo qui s'est ambiancé. Alors, forcément, avec le skill en DLC, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, 1-0 pour Balcor. Là, c'est promis, le prochain perso, la finale, elle se joue pas en Tiok. Hein. Je vais changer de main, c'est peut-être ma main gauche du destin. Comme on me dit souvent, j'ai deux mains gauches avec mes persos. Mais je tire mes persos avec ma main gauche. Ouais, le dragon, Riversol à la relevée. Riversol, pas à la relevée quand même, mais Riversol. Voilà l'invincibilité, là on voit la plus longue invincibilité du dragon de Old Tiok. Aussi un gros avantage du perso. Qui eh bien, l'a pas mal sauvé ici. Bah, c'est bien parce qu'on remarque pas mal les différences. Oh, il est chaud. Là, les petits trous, ils sont plus ratés. Hein. Balcor qui est chaud. Et pas content d'avoir perdu contre Eldruz. Hein. Je vous rappelle que le perso d'Eldruz, pardon, est dictateur et que celui de Balcor qui est fait long. Donc évidemment, si la main du destin tombe sur l'un des deux persos, ça va être compliqué. Hein. Très 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 compliqué. Alors qu'il y a du spectacle évidemment sur 3.3. Sur le Skill versus, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Ce petit point ne marche pas, il n'y a aucune embrouille là-dessus. Attends, ce gros point, c'est ce que j'aurais fait, c'est tout simplement ce que j'aurais fait. Un partout, il y a toujours balle de match, alors qu'une tête s'est invitée sur le stream. Faites-les reculer, mon dieu, on ne sait plus qui a bourré, hein. On ne sait plus quel est le meilleur bourreur de ces deux T-Hawk. En tout cas, on voit des barres d'énergie descendre, évidemment, Balcor qui a pris trop. Heureusement qu'il a sauté. Heureusement qu'il a sauté parce qu'elle est à deux doigts du 1-1 et le 1-1, il est là. Et ça va continuer. Alors moi, je vais m'installer tranquillement là. Faire du Tiok à l'infini. 3.3, ça va être bien aussi. Hein. Ça va être très très bien. Je conseille de rester ici. De toute façon, ça va être très très bien pour toute la fin de la journée. Bamingham Kid contre Instant Copier, vous avez vu la différence de dégâts qui donne évidemment l'avantage actuellement à Skill en DLC. Avec le 1 partout, en deuxième, de toute façon, en deux gagnants, c'est très 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 cruel. Hein. Tout peut se passer tellement vite. Oh, hein, qu'est-ce qu'ils ont bien là pour le moment? Qu'est-ce qu'ils ont bien Skill en DLC? Ah, ça y est, il a acheté tous les DLC de son skill. Et il est bien mieux installé. Et voilà, encore gros pied. On ne décale pas, mon ami. On ne décale pas. Et alors qu'il a des balles de match, Balcor qui est sur le point de se faire éliminer. Je vous ai dit, ça c'est. Après, c'est peut-être le versus qui parle, mais sincèrement, ce match est pour Old Tiok à 250 millions de pourcents.
que ce sont les box qui parlent, un personnage quasiment équivalent, encore une fois gros pied, Valcor qui arrive pas à approcher, il peut pas sauter parce que là il y a Dragon, il est armé, il y a Dragon dans le ventre, ils sont balayés, ils vont immédiatement embrouiller, mais le gros pied fait double touche, et ça sent la fin, ça sent complètement la fin ce match, il est acculé, il n'a pas la super, il ne peut pas la charger, comment faire pour revenir alors qu'il y a ce pavage, et c'est un très bon Dragon anti-air permettant à Skill en DLC de se télécharger en grande finale de ce tournoi.